Ils n'ont pas le droit de faire ça. Il faut apprendre aux enfants, quand ils sont jeunes, il faut leur apprendre que oui, il y a le bien, puis il y a le mal. Et puis le mal, on n'a pas le droit de le faire. Et surtout quand on le fait, on est puni. Donc il va falloir peut-être nous réapprendre à nous, à vraiment punir, à être fort, à être ferme aussi. Parce que c'est pas pour être ferme et pour être méchant avec eux, c'est pour leur apprendre que dans la vie, il y a des choses bien et il y a des choses mal. Ces choses mal, on n'a pas le droit de les faire parce que c'est toujours au détriment de quelqu'un. C'est innommable. C'est très très dur. C'est très très dur. Vous voyez, je suis ému. Mais moi, c'est pas grave. Moi, dans quelques temps, sûrement, j'aurai d'autres choses qui feront que j'y penserai moins. On n'a pas le droit de les laisser comme ça. Et donc, il faut absolument, vraiment, je le redis, c'est pas une question de sévérité exacerbée. Il faut être raisonnable dans les choses. Mais on n'a pas le droit de se dire que un gamin, il fait une bêtise dans la rue, même si c'est une petite bêtise, on doit lui expliquer, lui réexpliquer, t'as pas le droit. Et quand on balance un papier par terre, ça fait déjà partie de ce qu'on n'a pas le droit de faire. C'est pas grave, ça ne porte pas aux conséquences, mais ça porte à conséquence pour tous les gens qui sont autour de nous. C'est ce principe-là qu'il faut inculquer. Je crois qu'on a un peu oublié que bah, y a des choses bien, mais des choses pas bien. Et les choses pas bien, on n'a pas le droit de les faire. I'll have to ask my accountant about that. C'est pas drôle, ça ne fait rire personne. Regarde, regarde, qui rit? Personne. Quoi? Personne quoi ne rit. Vital Camera comme un milliardaire. Rwandais au Sénégal, quelle humiliation, quelle humiliation, quelle humiliation, quelle humiliation, nous sommes humiliés, quelle humiliation. No, God! No, God, please, no! 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 N'êtes-vous pas assassé? C'est tout bon, l'ami! La merde. C'est clair, on est tous dans la merde. Alors il va falloir qu'on s'en sorte tous collectivement.